débarquent en Égypte en moins 30. Maintenant que les Romains ont remplacé les Grecs, les Israélites à cette époque vont commencer à se rebeller contre les Romains. Donc maintenant du côté des Hébreux, c'est une autre révolte. D'accord ? Et maintenant on va avoir un courant d'un judaïsme messianique. Et ils vont puiser cette violence dans leur littérature, notamment avec Josué. Donc le mouvement messianisme là va espérer avoir un gars de ce calibre. Et ce qui va faire que beaucoup de gens de cette époque vont prendre ce nom, Yeshua. Parce que Jésus, c'est le nom en hébreu, Yeshua. Donc eux là, les Juifs maintenant, ils attendent un roi pour les libérer. Donc maintenant, il va y avoir des zélotes. Donc eux, ils sont prêts à en finir avec les Romains. À cette époque, il n'y a pas un courant qu'on va appeler le christianisme. En gros, ce que vous avez, c'est que vous avez des sectes. Et tout le monde, il va s'associer. Et ça, vous avez une liste interminable de ces fameux groupes messianiques. Mais eux, ils ne croient pas que le Messie, c'est un dieu. Ils ont plusieurs interprétations, en fait. D'autres vont te dire, ah, nous, en fait, on ne pense pas que c'est une personne. C'est juste une idée. D'autres vont te dire, c'est une personne. D'autres vont te dire, c'est un prophète. Donc, il y a du paganisme. D'accord ? Ils ne pensent pas tous pareil. Bon, là, vous avez encore un autre groupe qu'on appelle le martionnisme. Ça, en fait, ça pour nous, ça devrait être de la culture générale. Il faut juste taper ces termes sur Google et vous-même vous le trouvez. C'est pas vraiment... Là, on n'est pas dans des trucs vraiment compliqués. Okay, vous taperez juste ça, vous trouverez la même chose. On y va. Alors, le martionnisme est un courant de pensée théologique du christianisme primitif et issu du gnosticisme, croyance proférée et propagée par Marcion de Sinope au IIe siècle de l'ère chrétienne. Pour Marcion, Jésus n'est pas le Messie attendu par les Juifs, ni né de la Vierge Marie. Il apparaît à la 15e année du règne de Tibère, Jésus n'est pas quoi ? Il n'est pas le Messie attendu par les Juifs, ni né de la Vierge Marie. Il apparaît à la 15e année du règne de Tibère, sans avoir connu ni naissance, ni croyance, mais il sauve l'homme en le rachetant par sa mort. Il détermine ainsi son propre canon, rejetant toute la Bible hébraïque et ne retenant qu'une version mutilée de l'évangile de Saint Luc et quelques épîtres de Saint Paul, expurgés de leurs éléments judaïsants. Le salut passe donc par un rejet de l'héritage juif, du texte comme de la loi. Ok, donc en fait, eux, ils ont rejeté l'Ancien Testament et c'est une secte. Et pour eux, Jésus, en fait, il n'est pas né d'une vierge et tout ça. En gros, c'est ça. C'est ça. Okay. Excommunié vers 144, Marcion rejette l'Église et son autorité et fonde une contre-Église bien organisée et hiérarchisée qui comptera de nombreux disciples. C'est un mouvement à part, en fait. Ok, donc vous avez compris. Et ce mouvement est inspiré de ce qu'on appelle la gnose, les gnostiques. Ok ? Donc c'est eux. Et ici, ça n'a rien à voir avec le christianisme dont on connaît ici, là. Vous voyez, ça c'est une des branches. Il y en a, je vous ai dit, il y en avait plein. Et ça n'a rien à voir avec le christianisme qu'on a aujourd'hui. Puis vous avez les Édomites. Ça aussi, il faut chercher. Et pour eux, en fait, quand vous parlez du Messie, pour eux, le Messie, c'est juste une personne. C'était juste un gars normal. C'est pas un dieu, c'est pas un mec qui est mort, qui est ressuscité, c'était juste un gars normal. Mais eux, par contre, ils respectaient la loi de Moïse. C'était juste des juifs qui pensaient que le Messie, c'est juste un homme. Vous voyez ? Et d'ailleurs, à cette époque-là, pour beaucoup de ces gens-là, c'était même pas un dieu. Ce concept que c'est un dieu, ça va venir avec Constantin. Parce que lui, il veut créer sa religion. C'est là où je veux en venir. Avançons. Lui, il a un problème. Constantin, il doit gérer l'Empire romain. Le problème, c'est que cette zone-là, c'est agité. Parce que les Israélites, ici, commencent un peu à manifester, ils font n'importe quoi. Et lui, il a un problème, parce que ici, si ça se déstabilise, ça risque d'entraîner aussi l'Égypte. Lui, il n'en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est juste protéger le commerce. Il faut qu'il continue à faire du business. Mais il ne peut pas faire du business si là, il y a des guerres. Donc, il faut qu'il trouve une solution pour pacifier ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Parce que quoi? Les routes commerciales, il faut les protéger. Vous comprenez ce que je... C'est le business. Quand tu as un empire, ben l'empire, il faut aller voler les autres terres, il faut l'enrichir.
Tu n'as pas un empire, après il n'y a rien. C'est pour voler. Donc il faut faire du commerce, il faut des routes commerciales. Vous comprenez ce que je veux dire? Et l'Égypte, c'est une plaque tournante. Je vous ai dit que là, il peut passer et faire du commerce là. Donc il ne faut pas que ça s'envenime. Parce que ici, sinon, plus de business. Vous me suivez, donc il faut qu'ils règlent ça tout de suite. Avançons. Comme ces gens attendent un Messie, je vais dire, ok, vous voulez un sauveur? Ben, je vais vous en créer. Ok. Ben, je connais un pote. Vous savez notre pote Séraphis? Hier, on en a parlé, non? Oui. Ok. Ben, j'en ai un sous le coude. En plus, il a déjà la barbe. Donc, Séraphis Zeus, ben, je vais vous donner Issus. Ok? C'est la même tête, non? Mais le problème, c'est qu'il les a bien carottes parce que nous avons des pièces de l'époque des Ptolémées. D'accord? Vous avez la date. Clique un peu, Didi. Et là, vous avez ceci. Vous me suivez ou pas? Donc, il les a carottes. En fait, le gars, il avait des pièces de collection. Il a dit, bah, tiens, j'aime bien ceci. Et il a fait tout un truc. Ok? Donc, ce signe est bien. C'est pas chrétien, c'est un symbole qui est beaucoup plus vieux. Maintenant, lui là, va sentir que Constantin, le bricolage qu'il est en train de faire là, il veut en faire une divinité. D'accord? Donc lui va protester. Il va protester poliment. D'accord? Il va dire que le fils n'est qu'une créature. D'accord? Ça veut dire que ce n'est qu'une personne. Il le dit poliment. Parce que nous, on aurait dit tu nous carottes. Mais lui, il n'a pas les termes pour dire tu nous carottes. Donc il dit poliment que le fils est une créature. Tu vois? Il n'y a que le père qui est Dieu. Vous me suivez? Et lui là, ce qu'il va faire là, ça va être catastrophique. Parce que lui va, à l'époque, je vous ai dit, il n'y a pas encore de christianisme. Chacun monte son truc. Donc là, lui, c'est son courant. Arius, c'est l'arianisme. C'est son courant à lui. D'accord? Voilà. Il n'y a pas de christianisme. Chacun se débrouille comme il peut. Chacun bricole. Tout ce que je dis, c'est important parce que ça va avoir forcément un lien avec l'islam. Oui, oui. Okay? C'est à cause de lui qu'on va mettre maintenant le fameux concile de Nicée. C'est à cause de lui. Donc voilà Arius. Arius, vous le voyez, c'est le seul noir dans la salle. Parce qu'en fait, Arius, si vous cherchez, apparemment, ça serait un Libyen. Donc, ça serait le seul Africain dans la salle. C'est pour ça qu'on le peint en noir. Vous voyez qu'il y a que des blancs, tout se décide. Et lui, il est assis tout au fond, il ne sait pas ce qu'il fait, il joue aux billes. Et voilà. OK? Bon. Voilà. Et on va regarder une vidéo à peu près des conclusions du Concile de Nicée. La décision imposée par l'empereur définira le dogme chrétien pour les 18 siècles à venir. Par décret impérial, Jésus-Christ est déclaré unique fils de Dieu. Tout autre avis est interdit. Ceux qui ne sont pas d'accord sont exterminés. Voilà, par la force. Il n'y a pas à négocier. C'est-à-dire que c'est une personne qui a décrit, qui a dit que Jésus c'est le fils de Dieu. Avant ça, il n'y avait pas Jésus le fils de Dieu. Parce que les gens n'étaient pas stupides. Tu ne peux pas avoir un fils. En tout cas, dans leur façon de eux, tu ne pouvais pas dire ça. Donc ce sont les Romains qui vont mettre cette idée-là et qui vont forcer. Et ceux qui vont refuser, c'est la mort. Et ça, ça va être à cause d'Arius. Donc Arius, le Romain qui avait un peu réfléchi, qui a ouvert sa bouche. Maintenant, on en a fait un. Maintenant, on vient de faire de ce bonhomme-là, on en a fait un dieu. Ok? Maintenant, lui, il va créer ça. Ecclesia, Theos, Catholicos. Donc, l'assemblée de Dieu universel. Maintenant, c'est la religion universelle. Donc, on avait le Dieu universel et maintenant, on a la religion universelle. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, je ne veux pas savoir si tu es Kimbangi, si tu... maintenant, c'est catholique. Vous me suivez? Donc, ça vient avec Constantin. Donc, Ptolémée, on a eu le Dieu universel, là, où on va mélanger tout. Avant, Didier, avance. D'accord, je vais vous expliquer ça, non? Poséidon, Sérapis, comment ça s'appelle, Hélios, tout ça là, on mélange dedans et on dit ça c'est le Dieu universel. Donc ça c'est avec Ptolémée. Maintenant, avec l'autre enfoiré, donc lui, clique, d'accord? Maintenant c'est la religion universelle. Donc ce globe là, quand on a mis la croix et le globe, c'est-à-dire que ce signe là, partout dans le monde, partout, c'est ça. D'accord? Vous avez compris? Oui. On avance. Bon, maintenant, voici la situation. Ici, vous avez l'Empire Perse. D'accord? Eux, je vous ai dit qu'à l'époque, ils étaient en Égypte dominés. Ils se sont fait botter le cul par les Grecs. Ils vont se réfugier chez eux.
les Grecs se font remplacer par les Romains, contrôlent tout l'Empire, sauf ici. Maintenant, eux, ils cherchent quand même un moyen pour reprendre ce territoire. Donc ici, donc, les Perses et les Romains, c'est guerre. Guerre froide. La raison, c'est ici. Le commerce. Les routes commerciales. D'accord ? C'est ça maintenant la guerre. La guerre froide. D'accord ? Maintenant, lui, quand il va créer sa religion, le poste de commandement, il va le mettre en Turquie. D'accord ? Il va le mettre de là-bas. C'est facile de déployer les troupes, déjà de les stocker un peu là. Et quand eux, ils font de la merde, ben c'est facile de venir là. Vous voyez les Américains quand ils veulent attaquer la Syrie, quand ils mettent des bases un peu partout, tout ça, tout ça, tout ça. Même logique. Ça a commencé ici. D'accord ? Ici, c'est stratégie militaire, c'est pas de religion. Ici, les gens, ils sont là pour faire du business. Donc, la Turquie, maintenant, va être la base pour Constantin. Ça veut dire que tous les conciles concernant le christianisme vont être ici. Vous me suivez ? Ok, on avance. Là, je pose les bases. Donc, il va appeler maintenant sa ville Constantinople. C'est sa ville, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les Romains n'en ont rien à foutre de cette nouvelle religion. Eux, ils sont bien avec leurs troupes, leurs dieux, leurs histoires. Ils n'en ont rien à foutre. D'accord ? Donc, lui, il savait qu'il ne peut pas convertir les Romains. Donc, c'est pour ça qu'il va créer sa propre religion pour essayer de maîtriser ces personnes-là. Et pourquoi ? Je ne vous ai pas bien expliqué. Parce que, en fait, comme eux, ils sont violents, il faut leur donner un dieu doux. Quand on tend la en gifle, il va te dire, il faut donner encore l'autre joue. Tape-moi encore, j'adore ça. D'accord ? Ça qu'il va faire. Et cette technique, les Européens l'ont encore aujourd'hui avec l'islam. C'est-à-dire qu'il y a l'islam radical, d'accord ? Mais pas radical. Quand on dit radical, ça veut dire que c'est des gens qui appliquent l'islam tel qu'il devrait être. D'accord ? En fait, ils ont raison. C'est eux les vrais. Et maintenant, tu as un groupe de musulmans, mais qui aiment bien aller au McDo, c'est avoir les privilèges des Européens, tu vois, avoir les Nike. Maintenant, eux, c'est les modérés. Mais concernant les histoires de Dieu, il n'y a pas de modération. C'est soit tu fais, soit tu ne fais pas. D'accord ? Eux, en fait, ils veulent juste avoir les privilèges, mais garder un peu la tradition. Donc maintenant, qu'est-ce que fait la France, par exemple ? Eh bien, c'est ces gens-là qu'on met devant la télé pour dire oui, nous, on n'est pas dans, nous, on est dans un islam modéré, on ne se reconnaît pas. Là, là. Et c'est exactement ça. C'est pareil avec les gnosis. On les a utilisés pour les mettre dans le futur courant christianisme que Constantin va créer. Vous me suivez ? C'est exactement ce que font les Européens quand ils veulent créer l'islam de France. Ils veulent un islam qu'eux peuvent contrôler. D'accord ? Où ils vont mettre leurs gars, formés par eux, dans leur truc à eux, comme ça, ils les financent et quand ils font le truc, c'est chicot. Vous avez compris ? Même les mêmes techniques, le père en fils, ici on se transmet les méthodes. Ok ? On avance. Voilà, donc je vous ai dit que tous les conciles chrétiens, toutes les décisions chrétiennes, c'est en Turquie. D'accord ? Le but c'est pouvoir contrôler ici, là il y a le feu. Bon, ici à peu près, j'ai pas mis tous les courants, mais ça c'est des courants qu'on trouve. Donc chacun crée son propre truc, son propre courant. Maintenant, l'arianisme, vous avez compris, Arius, le gars là. Celui qu'on a mis par terre, là. Hein? Voilà, le Renoir. Eh bien, lui, maintenant, c'est fini. Bon. Donc, lui, on n'en parle plus. Il a été éliminé au concile de Nicée. Il a été tué physiquement ou pas ? Non, il n'a pas été tué physiquement, mais il a été boycotté, on l'a écarté, enfin, bref. Bon. L'arianisme, donc, ça veut dire que le groupe de Arius est éliminé. Mais les autres groupes, ils sont encore là. Et on a un qui va encore ouvrir sa bouche. Nestorius. Ce monsieur. Quand on va dire que oui, Jésus est Dieu, mais lui va dire, mais si Jésus est Dieu, mais sa mère, elle est quoi ? Ah, là, maintenant, il y a un problème. Parce que c'était incohérent pour les gens de l'époque, c'était incohérent. Comment il est Dieu et sa mère n'est pas Dieu ? Ce n'est pas possible. Donc pour lui, il va refuser, en fait, qu'on puisse dire la mère de Dieu. Lui va dire la mère du Christ. Donc en gros, c'est la mère d'un homme. Parce que pour eux, à l'époque, je vous ai expliqué, le Christ est juste une personne. Mais comme il ne peut pas le dire ouvertement, donc il dit non, c'est pas la mère de Dieu, c'est la mère du Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc lui, déjà, il va dire que non, Jésus, c'est seulement un bonhomme. C'est juste un gars, bon, c'est un prophète, il a eu un petit power, mais c'est bon. D'accord ? Donc lui, c'est son courant, lui, avant d'y dire. Allez, concile. On se retrouve, les gars. Faut en finir avec
Nestorius. Maintenant, ce qu'ils vont faire, au concile d'Éphèse, là, pour faire bien comprendre à Nestorius que ici c'est lui qui commande, à Éphèse, il y a un culte d'Artémis, et Artémis est censée être la mère des dieux. Et le problème dont ils vont discuter, c'est justement c'est le problème de la mère des dieux. D'accord ? Avançons. Le visage noir avec des nibards là, d'accord, retenez ça parce que ça va revenir, retenez ça, ça va revenir, c'est important, ok, visage noir avec des nibards parce que ça a un lien avec ça, me suivez, ça a un lien avec ça. Déjà ici les nibards ils ont été déplacés, ils ont été mis sous les pieds, d'accord. Déjà, donc on met ça de côté, on va y revenir. Okay? Parce que nous, quand on voit ça, oui, Isis, nanana, parce que hein, sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Ça a à voir avec Artemis. D'accord ? Et je vais développer tout à l'heure et on va comprendre pourquoi elle est noire. Parce que nous, quand on voit ça, on pense qu'on parle de nous. Ces gens sont tout, mais sauf idiots. Quand vous voyez le pape en train de prier la Marie, on va dire noire, c'est à cause de celle-là. En fait, c'est cette divinité-là qu'on a pris. D'accord, on a caché les nibards. Comme ça, vous ne voyez pas, on a mis ça en bas. D'accord, on a mis une robe. Et c'est la même divinité. Avançons. Ça, je mets ça de côté. Ça va revenir tout à l'heure. Bon, maintenant, il va y avoir des problèmes. Parce qu'en fait, ils sont en train de construire Jésus. Au départ, ils ont eu des difficultés à le faire passer pour le Fils de Dieu. Puis finalement, ils l'imposent. Puis après, la question de Marie se pose. Puis ça aussi, il inclut. Puis les gens posent des questions. Mais attends, mais s'il est Dieu, mais comment il peut être Dieu et homme? On vous fait chier les gars. Allez, à partir d'aujourd'hui, il est Dieu et il est en même temps homme. Les deux entités, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ils font des conciles pour construire Dieu parce que les gens posent des questions en fait. C'est ça. Donc Arius est terminé. Nestorius qui voulait la ramener aussi maintenant, c'est terminé. Maintenant, la clique de Nestorius là, ils vont bouger. Ils vont passer du côté des Perses. Parce que maintenant ici, c'est insupportable avec toutes ces conneries de Constantin. Vous suivez ou pas? Non. Donc maintenant c'est insupportable, maintenant ils passent ici. On va développer maintenant leur courant que Jésus n'est qu'une personne et que c'est qu'un prophète. Vous suivez petit à petit comment on arrive là? Hein? Voilà. C'est un problème entre chrétiens. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Tout à l'heure quand Didier a parlé, qu'elle a fait sa longue lecture. Tout ça là c'est l'Empire grec. Sauf que je vous ai dit que les Grecs, entre eux, vont se faire la guerre pour le territoire. Ok? Ici c'est pas les mêmes cultures. Ici, vous avez l'Égypte. Et les gens qui vivent ici, en fait, ont la culture grecque, mais d'influence égyptienne. Ici, les gens réfléchissent, ils sont un peu plus doux. Et ici, c'est les sauvages, parce que les Perses ont quand même une culture barbare. Et ici, ils sont vraiment très durs, sachant que ce territoire ici appartenait aux Perses. Donc maintenant que les Perses ont pu chasser les Grecs, ils veulent récupérer en fait tout ce territoire qui les appartenait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vu que ici, les Israélites, en fait, on en marre de ces Grecs, donc ils ont tendance à basculer ici. Donc ici, on va avoir une communauté juive assez forte. Mais ici, ils sont quand même assez durs par rapport à la communauté juive qui est ici à Alexandrie, qui semble plus pacifique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant que le christianisme de Constantin est en train de bien se mettre en place, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Constantin vont basculer maintenant ici, dans l'Empire Sassanide. Vous suivez? Ok. Donc tous ceux qui vont dire, oui, mais le Christ, c'est qu'une personne. Tous ceux qui vont dire, oui, mais le Christ, c'est qu'un prophète. Tout ça, là, ils vont basculer maintenant du côté sassanide perse. Bon, maintenant, ce fameux christianisme va commencer à partir en Chine. Et aussi au Yémen. Et aussi en Inde. Vous voyez comment il se déploie? Donc ici, je le rappelle, c'est un courant où ils disent que Jésus, c'est qu'une personne, d'accord? Et c'est l'équivalent d'un prophète. Ça, c'est le courant de Nestorien. Donc, le Yémen, maintenant, on sait maintenant qu'il y a des chrétiens là-bas qui ne croient pas que Jésus, c'est un dieu, que c'est juste un prophète. Avançons. Donc, le fameux messianisme que je vous ai dit, qui se développe là-bas, il est d'influence perse. Et les Perses, si vous connaissez l'histoire un peu des Perses avec les Égyptiens, c'est des gens très violents. D'accord? C'est des gens hyper violents. Entre parenthèses, mettez ça dans votre tête. Avançons.
Voici un Nestorien. D'accord? À quoi il ressemble? D'accord? Ça, c'est un chrétien Nestorien. Un groupe de personnes entre nous. Hein? La barbe, la robe, le chapeau, le gabarit, tout ça. Non? Ok. Regardez, encore un Nestorien. Non? Parce que moi, quand je fais ça, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Non? C'est le même chapeau, la même robe, tout ça. Non, le même look. Là et là, c'est pas la même chose? Ça, c'est un musulman. Ça, c'est un Nestorien chrétien. Vous ne voyez pas qu'à un moment donné, que c'est la même famille? En tout cas, ou il n'y a que moi qui vois? En tout cas, c'est clair. Hein, c'est clair pour vous? C'est clair. Il y a quelque chose là. Hein? Il y a de la famille ici. Ok, c'est ça que je vais essayer de démontrer maintenant. Tu dis? Clic. Ça? Nestorienne chrétienne. Voici une non-nestorienne chrétienne. Cette dame n'est pas musulmane. Voici les chrétiens au 4e siècle. Voilà comment elle s'habille. Ok? Donc la burqa. Ok? Didi, tu peux baisser un peu le rond la tête? Attends, bouge pas. On n'allait pas très vite. Tu peux baisser le. Comme ça, on voit bien ici. Bouge. Voilà. Donc là, chrétienne, nestorienne. Donc vous voyez là, là, c'est pas islam, c'est des chrétiens. Donc quand on fait des débats en France sur les nanana, c'est des bêtises. Ça, c'est des vrais chrétiens. Ok? Donc j'avance. Celle-là, là, ne vous y trompez pas. Ouais, mais là, là ça porte. Chrétienne, nestorienne. Oui, monsieur. Laisse-moi faire la photo. Oui, monsieur. Vous avez compris? Suis, frère, je viens. Tu vas être content après. Calme-toi. Tu vas être content. Je vais te donner tout ce que tu as besoin. Tu dis, avance. Aujourd'hui, vous allez là-bas. Voilà ce que vous allez trouver comme chrétienne. Ok? Là, aujourd'hui. Ce ne sont pas des musulmanes. Vous voyez là la croix là? Vous enlevez cette croix, elle passe dans la rue, elle se fait arrêter en France, on donne l'amende parce que la laïcité, nanana, nanana. Ça, c'est des chrétiens. Ok? Voilà. Regardez un peu. Ça, ce que vous voyez, c'est une église. Mais vous voyez cette porte-là? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Non? Parce que ça, c'est chrétien, ça. Ok? Ça ne vous fait pas penser un peu à ça? Hein? Ok. Ça, c'est musulman. Ça, c'est chrétien. Différence ou différence? Il n'y a pas de différence. Différence ou différence? Il n'y a pas de différence. Kiff, kiff. Même père, même mère. Pas vrai? Avançons. Ici, vous avez l'église de Dubaï. Et c'est en Arabie Saoudite. Ça, c'est des choses qu'on vous cache. Vous aurez du mal à trouver ça. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'il y avait des chrétiens là-bas. Ok? C'est interdit aux touristes, apparemment. Donc, il y avait des chrétiens. Vous voyez sur la carte? Elle se situe un peu ici. On est en Arabie Saoudite, pas vrai? Eh bien, il y avait une église nestorienne qui nous ont bien cachés. Il y a une participation, monsieur, de la conférence. Ok. Comment? Je viens vous. 4e siècle. Église nestorienne. Didi, clique. Clique, la voilà. Et ils cachent ça. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent ça. D'accord? Ça, c'est un terme que j'ai du mal à prononcer. Jahiliya. Vous connaissez ça, non? Oui, oui. Bon, qui peut me dire ce que c'est? J'ai dit que j'aurais besoin de votre aide. J'allume. Toutes les temps qui précèdent l'époque pro-islamique, quoi, en gros. Frère, pas fort, parce que... C'est l'époque pro-islamique. C'est l'époque pré-islamique, oui. Et qu'est-ce qu'il y a à peu près là-bas? Ouais, c'est l'ignorance, le polythéisme, enfin, l'idolâtrie, tout ça. Vous avez entendu? Bon, qui a un bagage musulman ici? Toi. Toi, tu m'intéresses. Qu'est-ce que on dit, en général, sur l'islam à l'époque de Mahomet? Donc je disais, de ce que moi je sais, c'est que en fait les gens ils connaissaient pas la religion et il y a le prophète qui est arrivé et qui a commencé à dire en gros qu'il avait la parole de Dieu et il essayait de la répondre en fait. D'accord. Donc vous avez compris que pour les musulmans, si je discute avec un musulman, d'accord, il va nous dire qu'à l'époque du prophète, que les gens aient prié n'importe quoi, qu'ils n'avaient aucune connaissance, tout ça, tout ça. Le Père Nilan nous a parlé de ça. Vous avez le terme, d'accord, qu'ils utilisent. Copiez-le dans vos débats, trucs. Je vous ai tout marqué. J'essaie d'être transparent avec vous. Ok?
mon frère est un. Maintenant, on va vérifier si c'est vrai. D'accord? Nous, on veut vérifier si les gens là-bas, c'était comment. On y va ou on n'y va pas? On y va. Bon, allez, on y va. Ici, c'est de la culture générale. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur Google et taper ça comme mot-clé et vous renseigner là-dessus. D'accord? Parce que je ne savais pas. On va tous découvrir. Les chrétiens arabes. Les chrétiens arabes sont des peuples autochtones d'Asie occidentale qui y étaient présents avant les premières conquêtes musulmanes du 7e siècle dans le croissant fertile. Attends, dis donc, il y avait déjà des chrétiens là-bas? De nombreuses tribus arabes ont adhéré au christianisme à partir du 1er siècle, y compris. Les Nabatéens ont probablement été parmi les premières tribus arabes à arriver dans le Levant méridional à la fin du premier millénaire avant notre ère. Les Nabatéens ont initialement adopté les croyances païennes, mais ils sont devenus chrétiens au moment de la période byzantine autour du 4e siècle. Attends, quelle période? 4e siècle? Ouais. Okay. Au moment de la période byzantine autour du 4e siècle. Les nouveaux envahisseurs arabes qui s'installèrent bientôt dans leur siège trouvèrent les restes des Nabatéens transformés en paysans. Non, leurs terres ont été divisées entre les nouveaux royaumes tribaux arabes kaatanites des vassaux byzantins, les Ghassanides et les royaumes Himarites, les Kidas en Arabie du Nord, les tribus de Tavi, Banu Abdul Kai et Taglib sont également connus pour avoir inclus de nombreux chrétiens dans la période pré-islamique. La ville de Najran, dans le sud de l'Arabie, était un centre du christianisme arabe rendu célèbre par la persécution de l'un des rois du Yémen, Dounawas lui-même, converti avec enthousiasme au judaïsme. Vous avez compris? C'était un peu long. Donc on sait qu'il y avait des chrétiens en Arabie. On sait qu'à Najran, il y avait une communauté chrétienne. Ok? On sait. Donc je vous montre. Là, vous voyez le petit point, c'est ça. Et on sait qu'aussi, il y avait un fameux juif qui s'appelle Dounawas. Donc il y avait le judaïsme et il y avait le christianisme là-bas. Ok? Et on sait qu'il y aura l'empire éthiopien va s'étendre jusqu'au Yémen. Donc le christianisme est attesté là-bas. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Parce que ici la rumeur c'est que les gens priaient n'importe quoi, que les gens ne connaissaient pas, Dieu ne connaissait pas, tout ça. On est en train de s'apercevoir petit à petit qu'il y a une communauté juive et qu'il y a une communauté chrétienne là-bas. Ce qui change la donne. Oui. Ok? Les Banu Quraïza, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux, ceux qui ont un bagage islamique savent. Ok, Didier, est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Les Banu Quraïza, voire les Juifs de la péninsule arabique avant l'islam. J'ai pas entendu, c'est des quoi? Voire les Juifs de la péninsule arabique avant l'islam. D'accord, attends, stop. Donc il y a une communauté de Juifs là-bas, les Banu Quraïza. Notez ça. Vas-y. La première migration des Juifs dans la péninsule arabique remontait à l'époque de l'exil, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Selon certains, il serait implanté dans la région de Yathrib et Kaïbar, à l'époque de Josué ou Saul. Cependant, ces récits semblent douteux. Toutefois, il semble acquis que leur présence en Arabie remonte avant l'exil d'eux. L'immigration de la péninsule arabique s'accentue avec le 2e siècle après Jésus-Christ. Stop. Stop. Pourquoi? Là maintenant, je vais vous inciter à faire vos recherches. Parce qu'on a beaucoup de choses, donc on va passer. Donc notez les Banu Quraïza. D'accord? Et donc on sait qu'il y a une communauté juive attestée là-bas. Et on va passer. On sait que parmi toutes les communautés qu'on vient de citer, les chrétiens qui sont là-bas, on sait aussi qu'il y a un autre groupe, les Nazoréens. Et eux, en fait, ils ont accepté Jésus comme prophète. C'était des chrétiens, mais pour eux, Jésus, c'est juste un prophète. Suivez comment ça se passe. Donc nous avons des gens chrétiens ou des juifs qui croient en un Messie, mais pour eux, le Messie, c'est juste un prophète. Et ils vont s'installer là-bas. Il n'y a pas encore d'islam. Vous suivez? Et c'est le groupe
qui ont des problèmes avec Rome parce que Rome veut imposer un Jésus qui est Dieu. Et eux refusent. Et eux vont se réfugier dans ces endroits-là. Et eux, ils sont liés avec l'Empire perse. Et nous connaissons comment les Perses sont violents. D'accord ? Vous voyez où est-ce que j'en veux venir ? On est en train de travailler. Donc voici à peu près une idée générale des courants qu'on pouvait trouver là-bas. Des courants abrahamiques qu'on pouvait trouver là-bas. Donc lorsqu'on va nous dire que oui, le prophète a grandi dans un environnement, les gens ne connaissaient pas Dieu, ils priaient plusieurs dieux, on voit bien qu'il y avait des juifs, des chrétiens de toutes sortes. Donc, ce monsieur ne pouvait pas avoir une littérature révélée d'un ange ou quoi que ce soit, parce que cette littérature était abondante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas sortir une exclusivité parce qu'ici, il n'y a que des juifs, des chrétiens qui parlent de la Bible, tout ça, tout ça. Donc tu vas dire, quand tu t'es réveillé, et oui, on m'a appris Adam et Ève. Mais oui, nous, on connaît ça. Tu n'as pas vu qu'il y a une église là-bas, tu n'as pas vu qu'il y a une synagogue là-bas, qu'est-ce que tu nous racontes? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça l'environnement, à peu près.